Gilles Apinangoy, plus de vitesse, faute sur Apinangoy, estime le juge central. Gilles Apinangoy qui a la lourde charge d'effacer les absences de Guillaume Boussougou et de Ketevo. Ketevo blessé, Boussougou suspendu. Le jeune Gilles Apinangoy a la lourde mission cet après-midi. On va sur cette action. Ballon dédaché. Penalty. But. Ouverture du score. De Pélican. Ndiaye Noël latéralement. Noël qui a sollicité Kalissa Mohamed. Ballon encore à nouveau en touche par mise en touche par Mba Allo. Toujours 1 pour Pélican, 0 pour le football Cannes 105. Remise en jeu latérale effectuée. Ndiaye Noël qui a levé la tête. Ndiaye qui va mettre le ballon dans la boîte là-bas pour qui ? La défense de Manga 105 peut récupérer pas. Mauvais ballon. Kalissa Mohamed. Kalissa qui a sollicité Josué. Ah, malade, ouais. Deuxième but. Qui fait une courte passe, mais c'est un mauvais service, récupéré par les Congolais. Nous sommes sur la médiane, c'est la balle toujours congolaise, récupérée par Liman Moussa. Jésus Kossibel, Jésus Kossibel, c'est parti. Et c'est la gourou. Et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score à la 44e minute, puis inscrit par Jésus Kossibel. Une action de Eden Agourou, concrétisée par Jésus Kossibel à la 44e minute. Voilà, il est 42. Une action de Eden Agourou, une passe avec le pied gauche. Très bonne intervention de Jésus Kossibel. C'est un contrôle de Liman Moussa. Ce sera un dégagement de 7 Congolais.